Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, avec les grosses chaleurs, avec le beau temps qui arrive, pourquoi ne pas avoir le renseignement de la température intérieure et extérieure. Aujourd'hui donc, je vous présente le déballage d'un thermomètre intérieur-extérieur. Un thermomètre bien sûr parlant. Et vous allez voir que ce thermomètre est vraiment génial car il va nous annoncer la température toutes les heures si on le désire. Très design, possibilité de le mettre en mode mural ou en mode réveil comme sur un meuble. On va tout de suite donc le déballer. On a donc la boîte qui est une boîte rectangulaire classique. Alors, le thermomètre en lui-même, il est blanc. Le voici. Alors, ce que l'on a de livré avec le thermomètre. On a donc les petites vis pour le mettre sur un mur. C'est livré avec. Alors les piles ne sont pas livrées. Ce sont deux piles AA. On a ensuite notre petit thermomètre ici qui est emballé. Il est donc livré avec une notice totalement en français. Je vais vous montrer ça après. Ici. Voilà, on va enlever le petit thermomètre et le voici. La notice est dans le petit plastique et la notice est complètement en français. Le thermomètre sonne et répète le si annonce de température intérieure et extérieure pendant une minute. Ensuite, VN annonce les températures 4 fois à 10 minutes d'intervalle suivez ces étapes. Est livré avec le CD, avec le format Word et le format Daisy. Alors, quels sont les avantages de ce thermomètre intérieur-extérieur? Dans un premier temps, voilà, il est donc vocalisé. Il est relié avec un feed et tout au bout, on a donc la sonde extérieure que l'on va positionner justement à l'extérieur. Derrière l'appareil, on a donc le petit emplacement pour mettre deux piles AAA qui ne sont d'ailleurs pas fourni. Juste dessous le clapet des piles, le petit repose-pied pour mettre notre thermomètre sur une table, un bureau, etc. Voilà. On a tout en haut le petit emplacement pour la prise murale. Juste derrière, on a donc un petit bouton en caoutchouc qui permet de régler le volume de l'appareil. Et juste un petit peu à l'oblique à gauche, on a le petit trou de reset qui permet donc de resetter l'appareil. L'appareil comporte un panneau de 6 touches. On a en haut un petit bouton poussoir qui permet de mettre l'appareil en mode intérieur ou extérieur pour avoir la température affichée pour les personnes malvoyantes. Alors c'est un cadran à cristaux liquides, gros caractère. On peut trouver en haut à gauche le capteur pour la température intérieure. Ensuite, on a juste dessous le bouton intérieur-extérieur, une rangée de trois boutons. Le premier bouton en haut à gauche. Réveil programmé. On peut programmer un réveil et que l'appareil nous dise la température de la chambre par exemple ou la température de la pièce où on se trouve. On peut donc programmer ou ne pas programmer notre réveil. Ce sont des boutons qui sont très reconnaissables puisque on a ici, c'est un triangle vers le haut, ensuite on a un carré et ensuite on a un triangle vers le bas. Le petit carré. Réglage du réveil. Réglage de l'heure. Réglage du réveil. Réglage du réveil. C'est donc le petit bouton qui va vous permettre de régler l'heure ou régler le mode réveil. Attention, mauvais point, on ne peut, si on n'est pas aidé d'une personne voyante, régler l'heure de réveil et l'heure de l'appareil. Donc ça, c'est pas super. Ici, on aurait pu avoir au moins l'heure vocalisée. C'est vrai que l'appareil en lui-même est destiné à donner la température intérieure-extérieure. Donc pour régler l'heure et régler l'heure de réveil, on aura besoin d'une personne voyante.
Le bouton à la droite, donc la flèche vers le bas, permet, si on veut, que la température intérieure-extérieure nous soit annoncée toutes les heures. Donc on appuie dessus. Un bip, on a enlevé ici, même sur le cadre on le voit. Et deux bips, on a mis l'alarme. Et juste dessous, on a un bouton ovale avec un petit repère tactile qui lui... La température intérieure est de 25 degrés 9. La température extérieure est de 24 degrés 8. Permet en fait d'annoncer à l'instant T lorsqu'on appuie dessus... La température intérieure est de 26 degrés. La température extérieure est de 24 degrés 7. Voilà donc... C'est un thermomètre très sympa, c'est un thermomètre intérieur-extérieur accessible malgré la non-possibilité de régler soi-même l'heure. Ça c'est quand même le petit point négatif, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même un thermomètre intérieur-extérieur et qui fait bien son taf à ce niveau-là. Donc c'est un appareil très simple d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est son prix. On est sur un appareil de moins de 15 euros. On est aux alentours des 14 euros, il me semble. Donc, pour ce petit prix, on a quand même un bon petit thermomètre intérieur-extérieur pour nous annoncer les températures chaudes qui vont arriver d'ailleurs. Voilà donc pour cette petite présentation de ce petit thermomètre sympa. Je vous mettrai comme d'habitude dans la description le lien où vous allez pouvoir le trouver. Et je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur ce petit thermomètre parlant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre dans la section commentaires sous la vidéo. Je me ferai donc un plaisir de vous répondre. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker et comme d'habitude de partager. Merci à vous et à très bientôt. Salut à tous.